Côte d'Ivoire, 817 personnes tuées en une journée par les troupes d'Amadé Ourémi à Doué-Coué. Alors qu'il répétait sans rire que ses troupes composées de miliciens burkinabés et de dozos ivoiriens s'étaient rendues à Doué-Coué pour assurer un service de protection des populations demandé par l'ex-commandant de la zone ouest des FRCI, Losseni Fofana, Amadé Ourémi s'est fait coincer par le juge, président de la cour. Fernand Dédé rend compte de cet interrogatoire inattendu. Amadé Ourémi frémit parfois quand les parents des victimes racontent les scènes d'horreur vécues à Doué-Coué. Il bouge le corps, la tête, comme traversé par une onde électrique. « Si vous voulez vous asseoir, dites-le nous, on vous donne une chaise. »« Non, ça va, je peux tenir. » L'homme ne regarde pas les témoins qui défilent, mais il est concentré. Un autre vient de relater la mort de son oncle, capitaine de police à la retraite, causée par les hommes armés. « Amadé Ourémi, je le connais bien, il a trois femmes. Elles ont des motos. » Quand les tirs ont commencé, mon oncle, qui est policier, nous a demandé de fuir. Il nous a dit qu'en tant que policier, il le sait, quand il y a des tirs, il faut se coucher. Ne pouvant pas courir, il a décidé de se coucher dans sa maison. Malheureusement, la roquette tirée par les éléments d'Amadé Ourémi sur la maison l'a détruite. La réplique de l'accusé est fulgurante. « Moi, tout le monde me connaît. Moi, je ne connais pas ce témoin. Il dit que j'ai trois femmes. Moi, je n'ai pas trois femmes. J'ai six femmes. » La salle explose de rire. Le président de la cour menace de vider tout le monde. « Vous avez six femmes, donc au moins trois femmes, comme le dit le témoin, » ironise le président. Amadé Ourémi est visiblement tendu. « Aujourd'hui, là, quand je veux parler, on ne veut pas. Si c'est comme ça, je vais rester chez moi, » lâche-t-il. Le calme revient, il ne veut toujours pas s'asseoir. Un jeune instituteur, élève en classe de terminale à l'époque des faits, avec toute sa passion juvénile et les souvenirs douloureux des événements des trois jours sombres à la fin du mois de mars 2011, vient expliquer dans le menu détail les faits vécus. Avant le mois de mars 2011, il y a eu d'autres faits. Amadé Ourémi est connu dans la région. Quand on vous dit « Fuyez, les hommes d'Amadé Ourémi arrivent !»« Vous ne pouvez pas rester !» commence-t-il. Sincèrement, monsieur le président, les jeunes de Doué-Coué avaient monté les barrages d'autodéfense, mais sans armes, pour protéger les quartiers contre les attaques des hommes d'Amadé Ourémi. Et là, l'accusé montre qu'il en sait beaucoup et s'étale. Les jeunes avaient placé des barrages partout. On ne peut aller devant, on ne peut aller derrière. Ils disaient aussi qu'ils allaient transformer Doué-Coué en cendres. Nous sommes sortis pour protéger les populations. Je n'étais pas seul. C'est sous le commandement de Losseni Fofana et ses éléments. Le président du tribunal lève le ton. 817 personnes tuées en une journée, c'est protéger les populations, ça? Des vieillards, des enfants, des femmes enceintes. Amadé Ourémi est contré sur sa propre défense. 11 témoins ont défilé à la barre pour la seule journée de ce jeudi 25 mars 2021 dernier. Les enquêteurs de la CPI ont fait plusieurs tours à Abidjan. Ils se sont rendus à l'ouest du pays, sur plusieurs mois. Des noms ont été cités et cochés. Et Amadé Ourémi ouvre les portes. Source Afrique Soir, Fernand Dédé.